Bonjour tout le monde. On like, on partage, s'il vous plaît. On envoie le cœur. Ah ouais. Ah ouais. Je ne sais pas si Isabelle passe par là. Je viens de voir ta contribution dans ma cagnotte. Merci Isabelle. Si jamais tu passes par ce live, merci infiniment parce que tu n'as pas mis... elle n'a pas mis... comment on appelle ça? Elle n'a pas mis son pseudo. C'est son nom de famille qui est là. Donc, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, merci. Merci pour ta participation. Si jamais tu passes par là, n'hésite pas à te signaler. Ça fait plaisir. J'aime bien savoir qui fait quoi. J'aime bien savoir. Voilà. Hola et qu'on partage, s'il vous plaît. Vous avez dans le rectangle en bas mon arbre à lien qui vous donne accès à toutes mes pages. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, TikTok, mes chaînes YouTube, très important. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert mes clips, allez-y. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez si vous aimez. N'oubliez pas de liker le clip également. Voilà. Comment dire, pour pouvoir liker, commenter sur YouTube, il suffit d'avoir une adresse mail Gmail. À partir du moment où vous avez un Gmail, une boîte Gmail, vous avez automatiquement une chaîne YouTube qui est rattachée à celle-ci. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez commenter, liker, partager, vous pouvez même sans Gmail. Mais vous pouvez commenter et liker à partir du moment où vous avez une adresse Gmail. Merci Marilette pour le partage. Bonjour Titi, bon dimanche également. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. C'est que le dimanche est toujours particulier pour moi. C'est mon jour de naissance. Je glorifie le dimanche. Je suis né le jour du Seigneur, donc... Une très belle combo. J'adore la combo de mon anniversaire, de ma naissance. C'est une trop belle combo. À l'été, juste à l'entrée de l'été, je suis née les premiers jours d'été, un dimanche. Donc, je ne pouvais qu'être quelqu'un de solaire, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le matin, je suis née le matin. Pas à minuit ou 1h ou 2h du matin, comme les gens qui sont nés dans les ténèbres là. Je suis né le matin. Chap, chap. D'accord? Donc, voilà. Un être de lumière dans sa splendeur, entièrement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut liker, partager, mes amours, s'il vous plaît? Et puis, vous mettez les cœurs. Je suis de très bonne humeur. Hein? Maman, Irène Yako, je suis tombée sur un extrait. Yako, Irène, je suis tombée sur un extrait. Apparemment, t'as déposé au carrefour, exposé ta vie. Quand elle vous dit qu'on veut garder les gens en otage sur cette toile, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Je pense qu'on a dû faire la même chose à l'esthéticienne avec qui je travaillais parce qu'elle ne décroche plus, elle ne me répond plus. Donc, c'est ça en fait, sur cette toile en fait, finalement, c'est les clans. Si je m'entends plus avec elle, tu ne dois plus traiter avec, tu ne dois pas commenter chez la personne, tu ne dois pas faire ci. Mais bizarrement, vous êtes toujours en train de regarder mes lives. Elles sont toujours en train de regarder nos lives. Il y a une qu'on a exposée hier sur notre web TV. En fait, c'est même pas elle qu'on a exposée parce qu'on n'a même pas parlé d'elle.
On parlait de son action, parce qu'elle-même en question, bah, elle n'a aucune espèce d'importance en réalité. Et elle n'était qu'un exemple parmi tant d'autres qui font le même boulot sur la toile, en faux profil. Donc, on a montré, et puis je ne comprends pas les gens, quand ils parlent d'afficher, comment tu peux afficher quelqu'un qui fait un post sur sa page? Je veux dire, si tu fais un post public et qu'on reprend ton post pour poster, l'affichage à quel niveau? Vous avez vraiment un déficit en français qui est incroyable. Ce qu'on affiche, c'est ce qui est caché. Tu fais un post sur ta page. Tu tagues les gens. Quand les gens prennent pour expliquer à leur public que voilà dont les pratiques sur la toile, voilà. Vous vous levez le matin, chap, 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 vous êtes derrière, vous êtes derrière, allez regarder la télé de l'heure, la web TV de l'heure. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de réaliser que vous êtes assidus. Ça m'a plu. Vous êtes assidus. Et ça, c'est le plus important à la fin de la journée. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous êtes libre de critiquer. Le plus important, c'est que vous regardiez et vous regardez. Donc, voilà. C'est le plus important. Moi, je vais vous dire un secret. Avant de passer à votre télé, je ne regardais pas. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Avant de passer à votre télé, je ne regardais pas. Vous savez pourquoi? Ben parce que je savais qu'il n'y avait rien de bon à apprendre là-bas. Il n'y a pas un documentaire animalier. Il n'y a pas un intellectuel, un genre qui est passé. Ou bien... Bref, moi, je ne regardais pas parce que tout le monde tournait autour du Congo, ça. En général. C'était souvent les règlements de compte, les Congo, ça, quand je regardais les invités. Donc, je savais que. Il n'y avait pas de plus-value. Il n'y avait rien à en tirer. C'est pour ça qu'il ne perdait pas mes heures à m'asseoir pour dire qu'il allait regarder. Merci, ma tata anonyme pour les étoiles. Il savait que ça ne sert à rien de venir m'asseoir comme ça, à prendre mes heures pour regarder. Parce qu'il savait que rien de bon ne va se faire. Donc, je n'ai jamais regardé vos trucs. C'est quand il y a eu tous les matassis que je suis allée regarder après les audiences sur les différents. Bah, même rentrer pour écouter même ce que vous avez. Jamais. Parce que ce n'est pas intéressant. C'était pas intéressant pour moi, c'était pas attrayant, il n'y avait pas de sujet intéressant. Par exemple, vous aimez rentrer dans la vie des gens, vous aimez savoir ce qui se passe dans la vie des gens, ce qui se passe dans l'intimité des gens. C'est pour ça que quand on va, vous, par exemple, vos histoires à cœur ouvert, parlons même d'à cœur ouvert. À cœur ouvert, c'était une émission du cousin Jolie à la radio. Vous avez inventé quoi? À cœur joli, le nom, à cœur ouvert, c'était le nom d'une émission qui passait à la radio nationale. À cœur ouvert de cousin joli. Peut-être certains ont oublié. Nous, on n'a pas oublié. C'était le même concept. Le même. Vous ne vous êtes même pas. Tordu l'esprit, hein. Vous ne vous êtes même pas fatigué le cerveau. Vous avez fait copier-coller le nom de l'émission, le concept de l'émission, copier-coller. Et vous pleurez aujourd'hui, vous osez parler de copie à d'autres personnes? Vous osez? Non, mais sérieux, quoi. Et le principe de cette émission, c'était quoi? Les gens venaient exposer leurs problèmes de manière anonyme à la radio. Ceux qui voulaient dire leur nom disaient leur nom, mais à la base, c'était anonyme. Tu appelles, tu racontes ton truc et puis Cousin Joli te conseille. Mais Cousin Joli est un homme sage, un homme cultivé. Qui va vous conseiller là? Non, quand on regarde même votre animatrice, elle peut conseiller qui sur quoi? Parlons peu, parlons vrai. Elle peut conseiller qui sur quoi? Que sa vie à quel niveau? Cousin Joli était un animateur respectable et respecté, avec une éthique de ouf. Avec une éthique. Vous avez copié, collé, aucun effort, aucune recherche, rien. Et vous voulez parler aux gens. Non, mais seriously. Vous voulez parler aux gens. De quoi? Je suis sur Oshiga la reine Scarabée, pour ceux qui veulent que je lise leurs commentaires. Oshiga la reine Scarabée. Venez depuis Oshigalaren Scarabée, likez, partagez et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Non, mais sérieusement, quoi.
Arrêtons 2 minutes. Arrêtons un peu 2 petites minutes. Donc, tu prends, tu fais un post. Et ce qui me dépasse, c'est que ces gens-là ont appelé au désabonnement massif de ma page. Vous me suivez encore? Moi, je pensais que vous étiez à désabonner depuis. Hein? Vous me suivez encore? Je pourrais vous bloquer. Je ne vous bloque pas parce que j'aime vous voir souffrir comme ça. Et parce qu'en fait, vous ne m'affectez en rien. Vous, votre présence est égale à votre absence. Donc, je n'ai pas besoin de vous bloquer. Joanda, des gens qui appelaient au désabonnement massif de ma page. Joanda, que tous les jours, ils me taguent. Vous faites ça comment? Vous faites comment pour me taguer tous les jours? Quand vous avez fait appeler les gens, dit aux gens de se désabonner de mes pages. Donc, vous êtes encore là. La bipolarité pro max. Des malades mentaux. Allez vous soigner. Allez-y vous soigner. Parce que ça devient sérieux là. Vous ne dormez pas. La nuit, vous êtes là. Le matin, vous êtes là. À midi, vous êtes là, mon frère. Vous n'avez pas de vie. Ouais, Toli.com, le média de l'heure, bonjour. Désabonnement massif. Mais on voit, comme tu dis, que le nombre de followers ne fait qu'augmenter. Vos désabonnements, là, on ne ressent pas ça. Hein? Moi, je n'ai pas ressenti. Je n'ai même pas, j'ai pas senti votre départ. La preuve, vous qui avez commandité le désabonnement massif, vous êtes où là? Vous-même, vous êtes là. Et je ne sais pas comment les gens font pour vous écouter, pour vous suivre. Vous n'avez aucune crédibilité. Aucune. Je vous ai dit que je vais vous respecter quand vous allez d'abord enlever ma musique sur votre machin que vous appelez télé là. Quand vous allez enlever mon émission, ma musique, là, je vais vous respecter. Pourquoi vous n'enlevez pas? Parce que ça a une plus-value. Ok? C'est tout. Parce que ça a une... Moi, je ne prononce plus vos noms. Il ne veut même pas m'attacher à la malchance. Il ne veut pas. Il ne prononce pas vos noms. D'accord? Mais comme vous êtes dans le paysage digital camerounais, vous êtes comme une étude de cas. Donc, on va se servir de vous pour expliquer un peu comment la folie nous prend sur les réseaux sociaux, comment les gens sont dérangés. Est-ce que les hiboux aiment rester loin? Comment vont-ils vivre s'ils n'étaient plus? Je suis dépassée. Aucune substance. Il paraît que leur patron était sur TikTok hier. Parce que pendant que nous, on était en train de faire nos choses sur TikTok hier, on était en train de jouer. On jouait avec, avec une compatriote des États-Unis, avec une sœur africaine de la Guinée, avec une petite sœur là, qui est aussi en Île-de-France. Même une fille, bah, je peux la coucher. Ça peut être ma fille. Les gens venaient m'écrire que, oh, tel vous a insulté dans le live du Cambindo. Que l'autre a fait votre fête là-bas. Et que, mais vous voulez qu'elle fasse quoi? Est-ce qu'elle peut créer quelque chose? Vous voulez qu'elle parle de quoi? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle n'a pas le choix. Quand elle voit les choses, les activités de la télé comme ça, là, son cœur saigne. Elle va faire comment? Elle est obligée de parler, d'exprimer sa rancœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'ouvre. C'est quand le cœur est plein, que même si tu te retenais comment, tous les jours, elle vous promet des choses, le lendemain, elle fait l'inverse de ce qu'elle a promis. Oh, moi, plus jamais à mes camères, il était à sa télé. Oh, moi, plus jamais quelqu'un qui a insulté ma mère. Là, voilà qui scie les pompes là-bas, jusqu'on la traite comme une gamine devant le monde entier. Oh, moi, plus jamais criquet de cribi. Hein, là, voilà des dames. Oh, moi, plus jamais parler de telle personne. Tous les jours, tu es sur ça. Ça, c'est quelqu'un, ça? Ça, c'est l'homme, ça? Aucune substance. Le vide sidéral. Vous voulez qu'elle parle de quoi? Elle n'a aucun choix. Elle n'a pas le choix. De l'abondance du cœur, la bouche s'exprime. Elle n'a pas le choix. C'est rempli. Donc, il faut que ça ait un. Et que ça sorte. Donc, elle va se pavaner partout sur les pistes. C'est la première fois. Elle a dit qu'elle va aller se fabriquer sur TikTok avec mon nom. Non, elle a raison. On se fabrique avec ceux qui ont le pouvoir. Moi, elle la comprend. Et je ne peux pas l'en empêcher. Comme je vous ai dit, chacun son travail. Je suis une personnalité publique. Je suis une artiste. Le travail des blogueurs et des blogueuses, c'est de parler de la culture aussi.
parler des artistes. Donc, ne venez plus là me fatiguer que t'es en train de parler de toi là-bas. Ça me fait quoi? Laissez-les parler, c'est tout à fait normal qu'ils parlent. S'ils ne parlent pas, ils vont faire comment? C'est leur travail. Vous l'empêchez les gens de faire leur travail. Bon, certains mettent les organes, ils prennent ça de manière personnelle. C'est là le problème. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Soit on est professionnel, soit on ne l'est pas. Et pour le coup, dans notre truc, il y a un gros manque de professionnalisme. Je ne vous apprends rien. Hein, les gars? Je suis en train de laver mes pinceaux. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas que ça se lave. C'est quand on voit vos peaux là. Voilà, les pinceaux, ça se lave. En tout cas, achetez les lavables. Parce qu'il y en a qui ne sont pas lavables, effectivement. Achetez les lavables. Bonjour, Hello Coquille. Bientôt, toi-même, on va t'afficher là-bas. Hé! La pauvre Irène. Je suis tombée sur une vidéo de Balata. Un extrait où il est en train de parler fort. On a affiché. Apparemment, on a affiché Irène. Parce qu'elle n'a pas pris de parti. Parce qu'elle commente chez la reine mère bio. Et je suppose aussi parce qu'elle commente ici. Parce qu'elle commente ici. J'avais vu déjà la dernière fois. Bonjour. Tu m'as partagé le live? Non, je ne vois pas vous partager. J'avais vu déjà ici un commentaire où quelqu'un a dit à Irène que finalement, toi, tu es partout. Tu commentais là-bas chez elle. Te voici ici. C'est là que je me suis dit, hey, donc, elle était là-bas. Mais les gens sont terribles. Donc, elle n'a pas le droit de commenter où elle veut. Vous pensez que moi, elle surveille où les scarabées commentent. Moi, je ne suis pas obligé les gens à détester quelqu'un. Je ne veux, j'aime pas besoin de ça. Votre détestation de quelqu'un d'autre, ça m'apporte combien? Rien du tout. Tant que vous ne m'insultez pas quelque part, moi, je n'ai pas de problème. Vous vous baladez, vous partez où vous voulez. Où vous voulez. Tant que je ne te lis pas en train de me lyncher quelque part, moi, je n'ai pas de problème. Tu commentes où tu veux. Où tu veux. Voilà, Héro Coquille, non? Est-ce qu'elle a quitté sa team? Non. Mais est-ce que je lui prends la tête? Non, elle est libre. J'ai mes scarabées qui sont abonnés sur d'autres pages, des gens avec qui je ne m'entends pas. Je les vois. Je ne vais pas m'en prendre à eux pour ça. Pourquoi? Ils sont libres. Chacun suit quelqu'un par rapport à quelque chose qui lui a plu chez la personne. Moi seule, je ne peux pas avoir toutes les qualités. Bonjour, Joséphine. Je ne peux pas avoir toutes les qualités. Donc, ce que je n'aime pas, peut-être qu'ils retrouvent ça chez une autre personne. Alors, pourquoi je vais les priver de ça? Tant que tu ne pars pas m'insulter quelque part, moi, je n'ai pas de problème. J'en ai une qui venait. Qui venait. C'est-à-dire me contredit, me fatiguer sur ma propre page. Je l'ai supportée pendant longtemps. Comme elle était là depuis, elle pensait que ça lui donne une certaine immunité. Quand je l'ai bloquée, maintenant je la lis ailleurs. Là-bas, maintenant, elle se lâche, elle m'insulte, elle montre sa vraie nature. Pourtant, je n'ai rien fait, je l'ai juste bloquée. Je dis, j'ai le droit en fait. J'ai le droit de te bloquer. Ce n'est pas parce que je te bloque que ça te donne le droit d'aller m'insulter. Si tu vas m'insulter, ça montre ta vraie nature. Tu ne fais que montrer ce que tu avais au fond. C'est tout. Ce que tu voulais faire depuis, mais que tu n'avais pas le courage de faire. C'est tout. C'est tout. Comment parce que une de tes followers, et puis je n'ai jamais lu Irène insultée ici. Je ne l'ai jamais lu insultée chez moi. Jamais. Alors pourquoi? Parce qu'une de tes followers va commenter ailleurs, tu vas allumer ta caméra. La livrer, raconter sa vie. Vous êtes vraiment des personnes de basse moralité, de petite classe. De petite classe. Et je pense que vous n'en aurez jamais la classe. Hein, c'est un âge là, c'est trop tard. Vous n'avez pas l'étoffe pour être des leaders. Vous n'avez pas l'étoffe pour être les stars que vous voulez être. À chacune de vos sorties, c'est des faux pas. À chacune de vos sorties, vous faites preuve de manque de classe totale. Et c'est là qu'on comprend que la classe ne s'apprend pas à l'école. La classe ne s'apprend pas à l'école où tu l'as.
où tu n'as pas en fait la classe. Ça ne s'apprend pas à l'école. Je retourne le truc. Je vais mettre la crème sur moi. La classe ne s'apprend décidément pas à l'école. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Parce que quand vous regardez même, c'est familial. Elle manque toutes de classe. Je suis désolée. À un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle manque toutes de classe. Moi, elle ne peut pas aller voir, elle ne peut pas aller à un dîner où il va y avoir un homme marié, je m'habille comme une escort girl. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Respectons-nous. Il y a un genre de vêtements pour un genre d'occasion. C'est pour ça qu'ils ont tous critiqué ma tenue ici, parce qu'ils pensaient que j'allais m'habiller comme une pute. Parce que tous les jours, je suis en sexy ici. Ils s'imaginaient que je vais aller là-bas porter je ne sais quoi. Vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué. Vous ne consommez pas mon style de musique. Vous ne savez pas ce soir c'est quoi les codes pour mon style de musique. Je me suis habillée en fonction de mon style musical. OK? Et mon style musical, même, j'aurais dû être pieds nus. Si je ne suis pas partie pieds nus, c'est parce que le sol n'était pas propre. Il y avait des trucs de fumigène, les résidus là, les trucs graisseux. Sinon, je n'aurais même pas mis de chaussures. Je n'aurais même pas porté de chaussures. D'accord? Allez regarder les sorties de Charlotte Dipanda. Je ne suis pas obligée de porter le ndop parce que tout le monde porte le ndop. Moi, je n'ai pas besoin de prouver que je suis Bamileke. Je suis Bamileke. Je chante en Bamileke. Je n'ai pas besoin de le prouver. Me pavaner partout en ndop parce qu'elle doit prouver quelque chose. Je respecte cette tenue. Je la respecte. Peut-être le jour de mon propre concert, là, j'aurai le nom parce qu'il y aura une symbolique. Ce n'était pas mon concert. Ce n'était pas mon concert. Je faisais l'ouverture de rideau pour une autre artiste. Donc, en soi, je n'ai même pas le droit d'être trop habillée par rapport à l'artiste. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Parce que vous n'avez aucune éducation. Il y avait une artiste tête d'affiche. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Donc, je ne peux pas venir m'habiller, me mettre sur mon 31 comme si c'est mon concert. Ce n'est pas mon concert. Autant de choses, de paramètres que vous ne prenez pas en compte. Parce que vous êtes toujours dans la grossièreté, le manque de classe. Il fallait que les portes jarretelles. C'est ça qu'on attendait de moi. Avec la dentelle et le ceinturon et le fouet. La mini-jupe pour le mini-short, ras de cul, pour montrer qu'il y a une artiste qui est là. Ben non. J'ai reçu une éducation, moi. Je sais me tenir. OK? Je sais ce qu'il faut porter, à quel moment, devant quel type de public. Une minute. Un like, un partage, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, Titi, ne l'a pas. Ne l'a pas. Je sois sur scène. Aucune autre artiste est sur scène. Moi, je suis dans la même salle. Je suis aussi artiste. Il me lève. Au lieu d'aller danser sur la scène, donc accompagner l'artiste au milieu de la scène, moi, il me met sur un bout. Je ne suis pas à ma place. Hein. Je quitte ma place. Je vais me placer sur le bout de la scène. Ça fait partie de la scène. Mais au bord, c'est pourquoi quoi se passe? Puisque là, je me donne un spectacle, ça veut dire que les gens vont me regarder. Donc, les gens vont détourner leur regard de l'artiste pour me regarder. C'est quoi le but? Il y a des petites choses comme ça auxquelles vous ne faites pas attention.
Non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est le moment de l'artiste. Ce n'est pas ton moment. Tu n'as pas été payé pour venir faire ça. Tu es payé, on t'a donné même un siège. Pourquoi l'artiste n'a pas eu la chaise que tu as là? On t'a donné la chaise là pour que tu restes assise à un endroit où tout le monde peut déjà te voir. Ça ne suffit pas. Tu vas te lever, venir voler une partie de la scène à l'artiste. Ça ne se fait pas. On doit vous éduquer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord? Enfin, j'ai vu une villageoise, quand Gune disait que oui, les gens qui m'ont accompagné ne sont pas venus sur la scène avec moi. Mais c'était mon moment. S'ils venaient sur la scène me donner l'argent, vous alliez dire quoi? Que oh, les seuls qui ont faroté, ce sont les gens avec qui elle est venue. N'est-ce pas? C'est ce que vous alliez dire, parce que vous avez toujours à dire. C'est mon moment. Ce sont des personnes connues aussi. Les personnes qui m'avaient accompagné, ce n'était pas les Tchina comme toi, c'est souvent les Tchina qui t'accompagnent. C'était des personnes connues également. Alors, elles n'ont pas à venir envahir ma scène. C'est mon jour, c'est mon moment. Elles restent à l'écart. Et elles n'ont pas eu besoin puisqu'il y a les gens du public qui sont venus. Mais quand vous choisissez les vidéos que vous voulez montrer, le but est toujours le même, de ridiculiser les gens, de diminuer les gens. Hein? Puis vous pouvez acheter les parfums, les cheveux, vous qui portez les tissages, les perruques pendant 3 mois sur vos sales têtes là. Mm-hmm. Voilà. Ça va, ça, mon chéri m'a acheté ça, moi, mais je suis allée chercher l'autre de la même marque, de la même gamme du coup. Pour ne pas déparier. Hein? Le manque de goût total. L'artiste est sur scène, toi aussi tu crées ta part de scène sur le côté. On t'a pas payé pour ça, on t'a payé pour t'asseoir et boire. C'est tout. Pour t'asseoir et boire. Vous allez même fouiller, vous allez voir que putain, on les a même pas payés. Vous voyez, souvent dans les organisations, là, on les paye en alcool. On te dit que fais la publicité, on te paye. La chambre, le déplacement et la table. On te donne tant nombre d'alcool, de bouteilles. Voilà comment certains se font payer. D'accord? L'habillement, alors, je n'ai pas besoin de parler. Vous tous, vous avez vu. Vous tous, vous avez vu la tenue. Le mauvais goût a son paroxysme. Je n'ai pas besoin d'en parler. Vous n'avez pas de place. Je pense que vous devez d'abord travailler ça. Vous devez d'abord travailler ça. Le manque criard de ça dit la villageoisie, quoi. C'est trop visible. Il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de... Ça manque. C'est trop quartier, en fait. C'est trop. À l'époque, je pensais qu'il y avait quelqu'un au moins dans votre famille qui pouvait rattraper. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, vous êtes toutes pareilles. C'est l'éducation. Ouais, c'est la chose que vous avez en commun, l'éducation. Donc, je ne sais pas comment vous avez été éduquée, mais visiblement, il manque de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'elle vous dit souvent que les gens sont là à se vanter souvent. Oh, j'ai eu mon père et ma mère dans la même maison. Mais si vos parents ne vous ont pas donné une bonne éducation, même si vous aviez 4 pères et 4 mères dans la même maison, si l'éducation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas mon père dans la maison. Mais il m'a donné une éducation. Mes deux parents, mon père n'habitait pas avec nous dans la maison. Mais ils m'ont donné une éducation qui ne me permet pas de faire certaines choses. Chaque chose a un cadre. Chaque chose dans son contexte. Ça ne me permet pas. Quand mon père jouait d'un instrument, parce que je suis tombée dans la musique par hasard, mon père jouait d'un instrument. Mes deux parents sont allés à l'école et mon père jouait d'un instrument.
un amoureux de l'art, un philanthrope. Donc, il y a des choses, quand il vous voit faire, je suis dépassée. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis même vous là, en fait. C'est pour ça que j'ai décidé que je sors de vos histoires là. Parce que je suis trop restée dedans, j'en ai plus besoin, ça ne me semble pas. Ok? Ça ne me semble pas, c'est pas ma vie. Alors, quand bien sûr à toi, l'on joue un rôle, mais à un moment, faut revenir à soi en fait. Et ça, c'est pas moi. Oh, le quartier. Donc, concentrez-vous sur vous. Bon, après, vous pouvez vous concentrer sur nous. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Maintenant, vous êtes libre. Hein. Vous pouvez vous concentrer toujours sur. Mais j'ai été choquée de voir qu'on s'en est prise à une follower. Parce qu'elle s'octroie la liberté de commenter où elle veut, d'apprécier le contenu qu'elle veut. On sort la clasher. On sort étaler, afficher sa vie. Je suis choquée. On vous a vu situé à toi. Vous êtes différents donc. Parce que vous êtes les mêmes gens, non? C'est pour ça que vous êtes ensemble. Vous êtes les mêmes gens. Les gens doivent vous suivre. Vous êtes même pire même que l'autre. Parce qu'elle ne harcèle pas ses abonnés pour contrôler qui eux ils suivent, qui chez qui ils commentent. Vous êtes encore pire. Payez le temps de mettre chacun sa place. Avec le temps, on se rend compte qui sont les vrais plaies sur cette toile. Bonjour Gloria. Avec le temps, on se rend compte qui sont les vraies plaies sur cette toile. Qui sont les démons de cette toile? Qui sont les monstres sur cette toile? Après, vous allez parler de gratitude. Vous allez parler de gratitude à qui? Quand les gens mettent leur méga pour partir vous défendre partout, vous les payez? C'est un contrat? C'est pour ça qu'elle dit, toi, Mescabé, que je ne veux pas vous voir aller insulter les gens quelque part pour moi. Ce n'est pas ce que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est dans mon travail. La force que vous avez pour aller insulter les gens là. Prenez la force là pour partager ma musique. Prenez les méga là pour partager ma musique. Prenez les méga là pour mettre mes liens partout. C'est ça. Si vous arrivez sur TikTok, vous trouvez une de mes détractrices ou détracteurs dans un match. Ne partez pas jouer contre l'adversaire de cette personne en pensant lui faire mal. Parce que c'est ce que ceux-là font. On a eu ça hier sur TikTok. Elle est venue jouer une de nos détractrices. Une de ces de leurs gens là-bas sont venues jouer, est venue jouer avec celle d'en face, la baissée dans le match. En pensant nous faire mal. Bonjour Norbert. Merci Gloria. En pensant nous faire mal. Ça me fait rire. Comme je leur ai dit, votre haine, vous carburez à la haine. L'argent là, vous auriez pu prendre ça. Acheter les chaises qui vous manquent. Vous auriez pu prendre l'argent là, acheter les chaises qui vous manquent. Vous préférez mettre ça dans la haine. En allant jouer pour notre adversaire, ils pensent nous faire mal. Mais quand vous jouez pour notre adversaire, ça n'empêche pas nos gens de jouer pour nous. Dans les scarabées, il ne veut jamais vous voir dans ce genre d'exercice. Que oh, on est tombé sur telle personne. Comme ils sont venus nous retrouver sur TikTok là. Eux aussi veulent déjà faire les matchs comme nous. Nous, on est là-bas depuis l'année dernière. Moi, ils font les matchs depuis l'année dernière. Ça fait plus d'un an. Non, ce n'est pas un an. C'est depuis mon anniversaire. Mon premier match, c'était en juin de l'année dernière. C'est 2023 ou 2024.
hein, Alex? Notre premier match sur TikTok, c'était 2023 ou 2022. En tout cas, c'était le jour de mon anniversaire, notre tout premier match. Mon jour de plus. Maintenant qu'ils sont venus, ils ont découvert les matchs. Hein? Je ne veux pas vous voir aller jouer chez les adversaires de ces gens-là en vous disant que vous êtes en train de les humilier ou que non, gardez votre argent. Merci Norbert, tu as déclenché le groupe d'étoiles. 4 minutes et quelques pour mettre 1800 étoiles. Alors maintenant, on va faire comment? L'argent là, gardez ça. Si vous les voyez jouer, vous avez la rage. L'argent que tu voulais jouer là-bas, va mettre dans la cagnotte. Pour que l'album sorte. Va mettre dans la cagnotte pour qu'on puisse trouver une salle. Parce que ça, c'est mon futur projet. Une salle, maximum 200, minimum 100-150. Pour faire mon premier concert moi-même. Voilà les prochains challenges que nous on a, le concert et l'album. Donc, allez jouer pour l'équipe adverse d'un détracteur, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ça ne nous apporte rien à nous. Merci, Tata Alex. Oui, le premier match était en 2023. En juin, notre premier match. Les gens ont découvert les matchs hier, là. Nous, on joue depuis. Dans le silence. Sans faire le bruit. Et les vrais matchs, pas les conneries que je vois maintenant, là. Notre premier match, on a joué contre un gros TikToker qui avait plus de 300 000 abonnés. On l'a fouetté 6-0. 6-0 et pas les petits scores. Qui avait pas moins de 20K à chaque fois. Pas de petits scores. On lui a donné un gage, il a refusé de faire. Comme d'autres aussi ont fait après lui. Parce que c'est ça aussi, les Camerounais. Leur mentalité. Quand tu joues avec d'autres nationalités là-bas, tu n'as pas de problème. Ils sont fair play. Les Camerounais, il suffit qu'il ait plus d'abonnés que toi. Il veut te prendre de haut. Il décide qu'on fasse les gages. Quand tu donnes alors ton gage maintenant, il ne veut pas appliquer parce que pour lui, c'est humiliant. Il dit qu'il va faire le gage. J'avais 4000 abonnés à l'époque. Hein. 4000 abonnés. On lui a fait ça propre. Lui avait ses 300 000 abonnés. 2 minutes et quelques. Il manque 1600 étoiles. Merci Katusha. Waouh, c'est la première fois que je te lis. J'aime bien ta musique. Je regarde souvent tes lives à la fenêtre. Bon dimanche. Merci. 1500 étoiles, les gars. Tout le monde met. Vous avez l'arbre à lien dans le rectangle. Vous cliquez dessus. Vous cherchez, c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Vous payez là-bas et vous venez envoyer ici. Quand vous payez, il faut envoyer. Ça ne part pas dans ma poche, ça part dans votre portefeuille. Il reste 2 minutes et quelques, les gars, pour valider le groupe. Merci, Alex Norbert. Il reste combien? Il reste 800. Encore plus fort. Démontrer mon amour pour la personne encore plus fort. Démontrer que tu es dans l'indem. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la guerre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La dame a déposé 50K hier dans l'équipe adverse. Vous entendez avec quoi? La dame a déposé 50K. 50 000 fleurs, 50 000 diamants chez les adversaires. Elle pensait nous humilier, elle pensait nous faire mal. Oh, c'est un jeu. Quand tu joues, c'est que tu peux perdre. On ne gagne pas tous les jours. On ne peut pas gagner tous les jours. Il y a les jours où tu vas perdre, il y a les jours où tu vas gagner. Donc, quand tu viens jouer, si tu es mature, tu es préparé à perdre également. Elle a mis 50K. 50K là, c'est plus de, c'est peut-être 1000 euros ou 1000 dollars. Mais disons dollars, parce que c'est quelqu'un d'estate. 700 dollars minimum, maximum 1000 dollars. Elle a déposé ça là-bas pour la haine. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce soir ou demain,
Parce qu'eux, ils viennent d'arriver là-bas sur TikTok. Tous les sorciers d'ici là sont en train d'arriver là-bas sur TikTok. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce soir ou demain, la petite là sera encore en train de jouer. Peut-être encore avec nous. Tu vas aller mettre les 50 cas là tous les jours. Tu vas mettre ça tous les jours. Ouais, aujourd'hui, d'abord, avant qu'elle arrive, nous, on était en train de taper la petite. Nous, on était en train de taper la petite avant qu'elle arrive. Donc, elle s'est dit qu'elle va exprimer sa haine à travers le match. Donc, ne faites pas la même erreur. N'investissez pas dans la haine. Ça n'apporte rien. À la fin, ça change quelque chose pour une seule personne. Non, pour deux personnes. Celle qui a perdu son argent et notre adversaire qui a gagné. Et moi, ça ne me dérange pas parce que moi, il ne joue qu'avec les gens que j'apprécie. Moi, il ne joue pas avec les gens qu'il n'apprécie pas. Enfin, il ne peut pas vous aider à gagner l'argent. À l'heure, si, sur TikTok, et tu veux te remplir les poches, il faut jouer contre Oshiga parce que les détracteurs sont comme ça. Tous ceux qui ont le même genre de... qui réfléchissent de la même façon, ils vont aller jouer en face. C'est pour ça que je ne joue plus avec les gens que je n'apprécie pas. Parce que je ne vais pas les aider. Ok? Je joue avec ceux que j'apprécie. Parce qu'on va s'amuser, on va rigoler pendant le match. Il n'y a aucune haine entre nous. Donc, comme ils arrivent, ils nous trouvent en train de nous vanner. Comme on se lance les coches, on se vanne. Ceux qui sont naïfs pensent qu'on est vraiment en train de se chamailler. Alors qu'on est en train de jouer, en fait. On est en train de jouer. On est en train de divertir notre public, nos publics respectifs. On a créé des systèmes pour que ça soit plus rigolo. Pour détendre les gens quand ils rentrent le soir. Ils veulent se détendre. On se vanne. On rigole. Ça fait rigoler les gens quand on se vanne. Et ils jouent. Il y a l'adrénaline du jeu et puis il y a le rire qui les détend. Donc ceux qui viennent avec leur sale esprit de Facebook, ils arrivent là-bas, ils pensent que, oh, ils sont en train de se vanner. Je vais donner la force à celle qui est en train de vanner l'autre, celle que je n'aime pas. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Donc, je ne veux pas vous voir dans cet exercice, les scarabées. Vous n'êtes pas sur TikTok pour les gens. Hein. Vous êtes sur TikTok pour moi. Ceux qui viennent là-bas pour moi, là, ils vous connaissent. Ceux qui sont venus, ceux que j'ai pris de Facebook pour amener avec moi sur TikTok. Vous n'êtes pas là-bas pour vous pavaner, aller n'importe où, faire n'importe quoi. Parce que on a essayé ça hein, quand on venait d'arriver sur TikTok avec les anciens qui sont là avant vous. On a essayé ça. Hein. On s'est brûlé. Hein. On s'est brûlé. Hein. On s'est bien fait exploiter là-bas avant de comprendre. Celle qui est restée sage là-bas, c'est Alexandra. C'est Alexandra qui a été la plus sage, qui a vite vu clair dedans. Sinon, il y a Noah et Lède et moi là. Nous, on s'est bien brûlé. On allait se balader sur les panels des gens. On faisait ami-ami. Comme on venait d'arriver, c'était tout beau. On croyait que oui. Non, c'est pas comme ça. Hein. Il y a une autre mafia aussi là-bas. Hein. Il y a une autre mafia là-bas. Donc, on a compris ça. Et maintenant, on se mélange avec les gens avec qui on s'apprécie. On va chercher dans d'autres communautés, d'autres pays, etc. Je savais où c'était. Hein? On va se chercher avec d'autres communautés, d'autres pays, etc. Quoi? Mais c'est bon, non? D'autres pays et tout, pour élargir, étendre notre influence, promouvoir à un plus grand nombre notre musique, parce que c'est ça notre... Nous, on n'est pas parti là-bas pour faire le Congo, ça. On est parti là-bas pour promouvoir notre musique, parce que TikTok, c'est la plateforme pour la musique par excellence. Pour promouvoir la musique. C'est la plateforme par excellence. Donc nous, on est parti là-bas pour ça. On n'est pas allé là-bas pour partir faire le Congo ça ou je ne sais pas quoi.
aller chercher les amitiés à la con. On va chercher les collaborations avec d'autres TikTokers qui ont la même vision que nous. La solidarité. Ceux qui pensent qu'ils sont trop grands, ils sont trop... Nous, on n'est pas avec eux. Moi, je ne suis pas là-dedans. Nous, on t'ouvre les bras, on te donnera la valeur digne d'un artiste comme nous savons le faire. Oh, ma Congolese people. L'emboka, oh, moi, la namboka. Bana ya mboka. Mm-hmm. Bana ya Congo. Vous parlez quoi? Ouais, les Congolais sont là avec moi. J'ai un problème. Les Congolais sont avec moi. Les Gabonais. Il y a un Gabonais qui est venu mettre dans la cagnotte mes bébés. Un Gabonais. Pendant qu'on faisait le live, on était sur la web TV. Donc on a un peu fait de promotion. On a mis le lien de la cagnotte. Il y a un Gabonais. Depuis le Gabon, hein, c'est pas un Gabonais ici. C'est un Gabonais au Gabon. Bon, c'est vrai que ça fait un moment quand même que les Gabonais me suivent. Il y a plein d'autres pays qui me suivent. Et je n'ai pas de problème avec les gens des autres pays. C'est seulement chez nous. En même temps, ça confirme le dicton qui dit que nous, on est prophète chez soi. Ah, on a fait comment? C'est comme ça. Hein? Donc, on fait avec. Et quand mon ex sont avec nous, on est avec eux. Et puis, c'est tout. La Guinéenne avec qui on jouait hier, là. Je ne savais même pas qu'elle me connaissait. Je ne savais pas qu'elle me connaissait. Elle a joué ma musique pendant qu'on jouait. Donc, jouer contre elle. Elle a mis ma musique. Commencez à dire que vous, les Camerounais, vous ne savez pas valoriser ce qui est bien chez vous. Je connais les Camerounais. Une Guinéenne. J'étais choquée. Elle jouait ma musique pendant qu'on était en train de la fouetter correctement. Dans le match. Voilà le genre de personne avec qui je veux jouer. Qui n'a aucune haine. Qui est fair play. Voilà quoi. Bon enfant. D'accord? Il y a un Français là avec qui Amer Kamer a établi une connexion et tout. Ils s'entendent super bien. Derrière lui, moi aussi, le Français là aussi, je le connais maintenant derrière Amer Kamer. Quand il joue avec Amer Kamer, il ne peut pas jouer sans prononcer mon nom. Le jour où il est venu jouer avec moi, il s'appelle Bast. Il est toujours dans le top 3 français. C'est-à-dire, il est meilleur de la France. Dans le jeu et dans les matchs. Donc, il a les donateurs. Il est toujours dans les top 3, top 5 français. Et il a toute une team, ses amis français aussi, qui sont aussi tous dans le top. C'est-à-dire, tous les meilleurs là, ils sont bien ensemble. Il n'y a pas de compétition malsaine entre eux. C'est l'entente, la solidarité. Il est venu jouer avec moi une fois. Il dit, mais tu sais pas que je chante. Il dit, ah bon? Je lui dis, je vais donner le nom de mon truc. Il est parti chercher. Il a mis toutes mes chansons dans sa playlist. Il a joué pendant qu'on chantait. Quand je passe dans son match, quand il est en train de jouer, dès qu'il voit mon nom, il part chercher ma musique. Il dit, oh, il y a Oshiga qui est là, les gars, il y a Oshiga qui est là. Allez vous abonner. Il met ma musique. Allez vous abonner sur YouTube. Allez vous abonner à son TikTok. Pour rien. Mais nous, lui, il est dans le top. Donc, je ne peux rien lui apporter sur TikTok. Je ne peux rien lui apporter. Il le fait parce qu'il apprécie Amer Kamer, parce qu'il m'apprécie, parce qu'on rigole bien quand on joue avec lui. On se marre. Parce que de temps en temps, quand il va être en match, je vais m'arrêter, je vais laisser quelques pièces. Idem, quand je suis en match, il va venir aussi s'arrêter un peu, me laisser quelques pièces. Ça dit, voilà quoi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nous, on est comme ça. Je ne comprends pas. Et le pire, c'est que on est comme ça, mais ceux qui font le plus ça, ils ne gagnent rien. C'est ça le pire. C'est que depuis que vous voulez faire, vous voulez exister seul là, vous n'avez rien réalisé avec vous. Rien. Vous êtes au même point. Toutes vos entreprises sont tombées à néant. On vous demande les titres fonciers depuis 1900. Ouais, vous ne pouvez pas montrer. Les autres sont encore là. Après 5 ans, ils cherchent encore les chaises. Ils cherchent encore les chaises pour recevoir les invités. Dans leur soi-disant télé. Hein? Franchement, vous posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous n'évoluez pas? Parce que vous n'évoluez pas. Je ne vois pas l'évolution. Vous n'évoluez pas. Voyager, c'est évoluer.
Coco est mis à voyager, non? Là, voilà qui est assise à la maison maintenant, non? Vous avez voyagé comme Coco Emilia. Là, voilà qui voyageait. Elle est maintenant assise là à la maison, au quartier. No bougie. Donc, ce n'est pas une évolution de voyager parce que c'est ponctuel. Ce n'est pas un truc constant et permanent. C'est ponctuel. Ayez des vrais trucs, des vrais projets pérennes. Installez la pérennité dans vos vies. Depuis là, moi j'ai évolué. J'ai terriblement évolué. Avec le peu de moyens que j'avais, j'ai terriblement évolué. Terriblement. Ah oui. Terriblement. Chaque année, j'évolue. Chaque année. Que ce soit vocalement, financièrement, ou comment dire, en termes de visibilité. Vous, vous ne pouvez pas être plus visible que ce que vous êtes déjà là. Vous avez atteint l'apogée. Je mens. Je mens. Depuis que vous êtes là, vous avez les mêmes nombres de vues depuis là. Ça n'augmente pas. Les mêmes pages qui vous postaient là, c'est tous les mêmes qui vous postent aujourd'hui. Ce n'est pas sorti. C'est toujours entre nous, nous les Camerounais là. On ne parle pas de vous ailleurs. Ça veut dire que vous n'avez pas évolué. Vous n'avez pas évolué. Regardez, je suis arrivée après vous. Je suis à implanter sur TikTok terriblement, en moins d'un an. C'est maintenant que vous vous réveillez, que vous voulez aller conquérir TikTok. C'est maintenant que vous vous réveillez. Bonjour, maman Sonia. Les Antilles sont avec moi. Le Congo est avec moi. Le Gabon est avec moi. Qui est avec vous? Les Ivoiriens, j'ai oublié les Ivoiriens. Ouh là là. L'autre jour, on était sur TikTok avec Aya Robert. Elle m'a présenté deux artistes ivoiriens. On causait. Deux artistes ivoiriens, on a bien causé. Elle m'a introduite comme artiste. Elle nous a fait échanger parce qu'elle était un peu la maîtresse du panel. Oh, il y a tel artiste. Oshiga, je te présente elle. Oshiga, c'est une artiste camerounaise. Elle chante bien. Oshiga, est-ce que tu peux mettre ta musique? Machin. J'étais... Je me sentais bien. C'était sain. Une belle conversation entre artistes. Là, on a écouté les musiques de chacun. On s'est abonnés les uns aux autres. On a établi des connexions et tout. Voilà ce que moi, j'ai fait sur TikTok. Pendant que vous vous déplacez avec la haine, vous baladez sur les panels pour insulter les gens. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Si je n'ai rien à dire, je n'allume pas ma caméra. Je ne fais pas de live. Je ne fais pas les lives pour faire les lives. Si je n'ai rien à dire, je n'allume pas ma caméra. Si je suis en forme, j'allume ma caméra. Soit je traite un sujet. Soit je joue ma musique. Je chante. Je travaille ma voix avec vous. Je n'ai pas le temps. Pour votre haine à deux balles là, j'ai pas le temps. Je suis là et cherche l'argent pour produire mon album. Je cherche l'argent pour me produire dans une salle. Ok? Hier dans l'émission, hier, on nous a donné le nom d'une salle. Dès qu'il rentre à Paris là, je vais appeler, prendre un rendez-vous pour aller là-bas voir comment ça se passe. Et je vais m'asseoir même, j'ai même pas besoin de m'asseoir. Sur Internet, je peux trouver ça moi-même en faisant mes recherches. Je vais trouver toutes les salles de la capacité qui m'intéressent sur Paris. Je vais tous les contacter. Et ma part va sortir dedans. Je n'ai pas le temps pour vous connaître. OK? Donc, vous avez dit que vous vouliez vous désabonner. Désabonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi vous me taguez à gauche, à droite dans vos conneries. Restez dans votre pungoulou là. Restez dans vos choses là. Où c'est la haine, la haine, la haine, la haine. Maman Sonia, tu étais dans le match hier, non? Tu as vu? Tu vois pourquoi je n'ai fait aucun effort pour que ces gens m'aiment? Parce que leur haine est plus productive que leur amour. C'est ce qu'ils ont à offrir. La haine. Les autres artistes qu'ils aiment là, ils sont incapables d'aller investir sur eux. Les autres artistes qu'ils disent aimer,
Les autres artistes qui respectent leur code de déontologie, leur code de conduite, ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour eux. On les a vus ici. Incapables de faire la communication pour l'artiste qui avait conseil il n'y a pas longtemps là. Dès que le conseil est fini et qu'ils se sont dit que ça allait m'affecter, ils sont sortis en parler pour faire mal au Chiga. Voilà, c'est fini, non? Comme José a chanté, tout laisse. C'est fini, vous avez à laisser le conseil. Vous avez fini d'en parler comme ça, c'est fini. Moi, ma part là, ma petite prestation ratée d'après vous, ça a pris au moins un mois ici, là, la toile. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes où là, Caïman, Caïman, Caïman. Sauf que quand on va vous demander que Caïman, ça veut dire quoi, vous allez être obligé d'expliquer que Caïman, c'est parce que c'est une chanteuse là. Elle a fait de la prestation à tel endroit, elle s'est ratée. La personne à qui vous allez dire ça va partir fouiller pour comprendre ce qui n'a pas marché. C'est comme ça que la personne va aller découvrir ma musique. Aussi simple que ça. Pendant que votre artiste qui était parfaite, vous n'en parlez plus, ça a duré 2 jours. 2. Théa fini. Vous voyez que vous investissez l'énergie que vous avez là. Vous avez ça à mettre dans la haine. Comme maintenant les Yamseurs ont fait la paix, ils vont mettre ça sur qui? Il ne reste que Oshiga. Ils vont mettre la haine là sur qui? Il y a Oshiga, il y a Compressor. S'ils ne mettent pas ça sur nous, ils vont mettre sur qui? Il leur faut toujours un carburant. Il leur faut toujours quelqu'un à détester. Parce que l'amour que vous avez pour vos leaders n'est pas assez fort que la haine qui habite dans vos cœurs. Vous avez une haine qui est là, c'est installé, c'est permanent. Maintenant, vous vous baladez comme les mauvais esprits à la recherche de la personne sur qui vous allez déposer ça. Le moindre prétexte. Dès que vous avez l'opportunité comme ça là, vous déposez la haine là sur quelqu'un. Maintenant, c'est sur les followers. Parce que le follower a commenté là-bas. Il faut venir étaler sa vie. C'est incroyable. Si moi, je devais venir étaler la vie de mes followers qui m'ont fait du sale, c'est qu'on ne sort pas d'ici. C'est qu'on n'est pas quitté. Qui m'ont, eux, vraiment fait du sale, pour le coup. Vraiment. C'est qu'on n'a pas quitté l'auberge. Ou bien de mes amis. Parce qu'on n'a pas les amis, les problèmes dans la vie privée. Le lien commun entre toutes ces blogueuses-là, le point commun, c'est qu'elles sont toujours en train de prendre les choses de la vie privée pour ramener ici sur la toile. C'est-à-dire que quand elles ont des problèmes avec quelqu'un qui n'est pas sur la toile, elles vont porter ça, venir étaler la personne ici parce qu'elles ont le pouvoir. Donc, comme elles vont venir parler, c'est elles qui ont les abonnés, on va aller lyncher la personne. C'est ça qui montre que vous n'êtes pas mature. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour être des stars. Vous n'êtes pas digne d'avoir un quelconque pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est savoir la maîtrise d'abord. Un pouvoir sans maîtrise, c'est la folie. Tu refuses de te soumettre, l'artiste, tu es très rebelle. Et les deux sectes qui contrôlent le game ne vont pas te lâcher. Elles n'ont qu'à continuer. Elles n'ont pas le pouvoir de me faire tomber les pleureuses de la toile. Malheureusement pour elles. Et je suis plus forte qu'elles toutes réunies là. Elles n'ont pas le pouvoir de me faire tomber. Malheureusement pour elles, elles ne peuvent que aboyer comme elles aboient la fête, ce qu'elles font là. Elles ont tout fait, non, essayer de faire tomber mes pages. Mes pages sont toujours là, malgré la restriction. Mes pages sont toujours là. Ça ne va pas quelque part. Elles ont tout fait, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que moi, ils ne partent pas chez les marabouts comme vous, mon cœur. Et puis, elles vont toutes chez les marabouts. Toutes. Elles vont chez les marabouts. Et ils parlent là de source sûre. De source sûre. Ça vous a amené où? Vous êtes où, pauvre? Oui. Vous êtes toujours pauvre. C'est pour les pauvres qu'on cotise pour construire les maisons. Oui, pour te construire un abri. Les riches font les levées de fonds pour les entreprises.
Ils ne font pas les levées de fonds pour là où ils vont habiter, pour leurs besoins tertiaires. Oui. C'est que vous êtes toujours pauvres. Les riches, Donald Trump fait organiser des levées de fonds. Donald Trump, le riche Donald Trump, organisait des levées de fonds pour l'entreprise, pour investir. Parce qu'il donne le travail aux gens. Parce que quand son entreprise va grossir, il va pouvoir embaucher encore plus de salariés, payer plus d'impôts. Donc, il va toujours servir son pays à travers vos levées de fonds. Mais quand quelqu'un demande qu'on donne l'argent pour payer un billet d'avion, qu'on donne l'argent pour construire une maison, ça sert à quoi à la multitude? Ça va apporter quoi au reste de la population? Que dalle. On fait ça pour les, c'est pour les assister qu'on fait ça. C'est pour les pauvres qu'on fait ça. Je dirais même plus, les personnes qui ne peuvent pas aller travailler, les enfants, les malades, les handicapés, etc. C'est pour eux qu'on fait ce genre de choses. C'est pour eux. Maintenant, tu demandes l'argent pour les chaises. Quelque chose avec 1000 euros. 1000 euros même, c'est beaucoup. 500 euros, tu as les chaises. Je ne comprends pas. Ça fait honte. Vous êtes encore à ce niveau-là. Pourtant, c'est vous les barbatiers des étoiles sur la toile, d'après vous-même. Donc, un live devrait pouvoir acheter une chaise. Un live, ça dit même si tu fais qu'un live, une chaise, ce serait déjà fini. Parce que la pièce que j'ai vue là, ça ne peut même pas abriter 5 chaises. L'endroit que j'ai vu là, c'est un endroit fait pour 2 invités, pour la présentatrice et un invité. Donc, c'est pour 2 chaises qu'on fait le litchi. 2 chaises. 2 comme ça. Non. Vous n'avez pas honte sur la toile-ci. Wallahi bilahi taïlahi, vous n'avez pas honte. Il a dit que moi, c'est m'a dit que j'ai mal au dos. Il me faut une chaise adaptée parce que quand il faisait les lives, j'étais comme ça. J'étais en train de regarder ce qu'il veut m'acheter. Les stars, on dit que laisse-nous, on va payer. Parce que tu fais les lives pour nous. Nous, on aime quand tu fais les lives, c'est pour nous, on va payer. Et me suis assise, la livraison est arrivée chez moi. Et pas vos chaises de 2 à 3 là. Non, 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 non. Ils sont allés taper dans le haut de gamme. Des chaises gaming. Ok? Bon dimanche, mon cri-cri, merci. Ils sont allés taper dans le haut de gamme pour venir me donner. Je n'ai pas bavardé. Je n'ai pas mis un litchi. Je ne leur ai même pas demandé. J'ai dit que je vais m'acheter une chaise gaming pour que mon dos soit tranquille. Ils ont dit que non, 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 non. Laisse. On ne peut pas payer. Vous êtes dans un projet. Vous mettez les litchi pour acheter 2 chaises. 2 fauteuils. Franchement. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas t'aimer. Vu que tu éveilles beaucoup de personnes, forcément, les plus intelligents ne peuvent plus contribuer à leur connerie. Merci, Cricri. N'est-ce pas, Mireille? Merci, Cricri, pour mes étoiles. Mais ça, c'est leur problème, donc, à élever le niveau. Moi, elle ne dit pas qu'on ne doit pas contribuer pour elle. Mais je dis qu'elle vient avec des vrais projets. C'est elles qui ont commencé à saboter mes canaux. Moi, ils ne parlaient pas de leur connerie avant. Je les regardais faire leurs choses là. Moi, ils ne parlaient pas de ça avant. Mais comme elles ont commencé à m'appeler mendiante et saboter mes cagnottes, parlons donc des cagnottes. Éduquons-nous sur les cagnottes. Je leur rappelle juste que depuis la nuit des temps, les artistes vivent des dons. C'est tout. Je leur rappelle que Christophe Maé a ouvert une cagnotte pour son album. Je leur rappelle que Zaz vivait dans la rue, elle chantait dans la rue. Ce sont ses fans qui passaient dans la rue, des gens qui ont aimé ce qu'elle faisait, qui sont allés créer la cagnotte. C'est pas elle, hein. Ils ont créé la cagnotte, que non, il y a une artiste dans la rue, elle déchire, elle a un grain de voix particulier, on doit la sortir de la rue. Ils sont allés créer une cagnotte pour la produire. Elle est devenue Zaz, que tout le monde connaît aujourd'hui. Elle dormait dans la rue, elle chantait en route.
Ok? Je n'ai rien inventé. Baby Philippe, qui était déjà Baby Philippe, il y a 2 ans, il a créé sa cagnotte. Pourtant, il était déjà Baby Philippe. Il était déjà Baby Philippe que vous connaissez, non? Avec tous ces hits qu'il a. Il a créé une cagnotte il y a 2 ans. De Bordeaux, Likoufa a ouvert une cagnotte. Vous connaissez De Bordeaux, non? Lui-même là, c'est il y a peut-être 1 an comme ça ou 2. Pareil. Vous avez vu les Ivoiriens sortir le traité de mendiant? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont fait une cagnotte aussi pour Manager confirmé, non? Ce sont les Ivoiriens qui ont fabriqué Manager confirmé. Vous pensez qu'ils chantent quoi? Vous croyez que les Ivoiriens ne sont pas conscients que Manager confirmé ne chante rien? Ils savent. Mais l'histoire du monsieur les a touchés. Ils ont dit que non, c'est notre frère, on va l'aider à réaliser son rêve. Manager était à Harlem, dans la salle de Harlem, quoi, là, au labo aux États-Unis. Il y a quelques jours. Pour chanter. Pour chanter. Pendant que vos divas sont ici, là, en train de partager les billets. Gratuitement. Parce que vous êtes incapable d'élever la culture chez vous. Incapable. Roselyne Layo a fini avec le casino là. Sa carrière a peut-être 3 ans. Hein. Elle a fini avec le casino de Paris là. Sold out. Elle est en train de partir à la salle de Harlem là. 3000 personnes. 3000 personnes aux États-Unis. Ça, c'est les chiffres, c'est concret. Donc, les Ivoiriens là, ils sont en train de vous laisser derrière. Parce qu'on disait souvent que, oh, les Nigériens, les Anglophones. Voilà les Ivoiriens qui sont en train de vous laisser derrière. Tous leurs artistes sont en train de faire les grandes salles. Même Manager confirmé, mon frère. Vous réalisez? Même Manager confirmé. Et si quelqu'un m'a venu écrire qu'il chantait mieux que moi, ça c'est votre avis. Moi, je ne peux pas dire qu'il chantait mal. Chacun sa sensibilité, chacun son goût. Il faut de tout. Il faut toute qualité de musicien, de chanteur, tous les goûts. Il chante plus que moi, ok. Mais il ne chante pas plus que vos artistes reconnus là, vos divas que vous abandonnez ici là, qui ont du mal à remplir 600 places. Ok? Pour qui on est obligé de partager gratuitement les billets pour que vous veniez remplir. Tout ça pour venir gueuler sur la toile alors que vous n'avez pas payé les tickets. Vous êtes quand même marrant. Non, le Camerounais, c'est une curiosité planétaire. Wallahi. Les gars sont sur la toile en train de bavarder pour un concert dont ils n'ont même pas payé le billet. Vous n'avez même pas sacrifié quelque chose pour aller encourager l'artiste, pour mériter d'être assis là et profiter de son art. Rien, cac. Mais vous êtes assis sur la toile, vous utilisez son nom pour venir attaquer une autre artiste. Moi. Ouais. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous allez insulter les Ivoiriens avec quoi demain? Ils sont champions d'Afrique. Leurs artistes sont partout. Vous allez leur dire quoi de bon? Vous allez insulter la belle famille avec quoi? Avec quoi? Ils vont vous dire que leur pays appartient aux Blancs, mais leurs artistes sont partout. Leur pays appartient aux Blancs, mais ils sont champions d'Afrique. Vous, que votre pays vous appartient là, vous êtes tout avec. Vous êtes tout avec. Votre pays vous appartient. Vous n'avez pas l'électricité. Vous n'avez pas l'eau. Votre culture, zéro. Votre cinéma, zéro. Musique, zéro. Football, zéro. Handball, volleyball, zéro. On a coincé les handballeuses l'autre jour à cause du visa, non? Zéro. Zéro, 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 zéro. Partout. Les seuls endroits où les Camerounais se démarquent, c'est dans les trucs individuels. Ne parlez pas de Libyanka. Libyanka n'appartient pas à l'industrie camerounaise. Libyanka appartient à l'industrie américaine. Ce n'est pas vous qui l'avez fabriquée. Elle est juste née au Cameroun, c'est tout. Ce n'est pas un produit camerounais, la musique de Libyanka. C'est un produit américain, je dirais même plus ghanéen. Son mari est ghanéen. C'est lui qui fait la musique. C'est lui son manager. C'est lui son styliste. Donc, il n'y a même pas votre hein, quelque chose dedans. Rien. Que dalle. Il y a eu les flammes ici en France. Fally était nominé aux flammes. Inos B était aux flammes. Rebo Chulo, c'est une artiste congolaise, la femme de Inos B. Enfin, sa compagne.
elle était aux flammes. Qui encore? Ils sont pleins de ça. Végédrim, il n'a pas un tube qui est sorti récemment. Hein? Il est grave, aux flammes. Je cherche un Camerounais dedans. Je ne vois pas. Et rien. Rien. Rien comme ça. Rien. Rien. T'as dit même invité. Que juste invité. Même Emma Louès était là-bas, mon frère. Même juste invité comme ça, là. Qu'on m'a dit que bon, tu n'es pas nominé, mais bon, on t'invite aussi dans la salle. Hein? Taïsi n'était pas là-bas. Hein? Taïki n'était pas là-bas. Hein? Mm-hmm. Et même Taïki, là, c'est un produit français. Ce n'est pas un produit issu de l'industrie camerounaise. Mais tous les jours, vous êtes en train de vouloir récupérer le gars, là. Oh, Taïki, Taïki, il n'y a pas la double nationalité chez vous. Laissez les gens. Taïki est français. Quand on le nomme quelque part, tu les vois là, ils mettent que Cameroun, ils mettent Taïki. Taïki n'est pas camerounais. Il est né en France. Il est français. Il ne vous connaît pas. Arrêtez de forcer. Devenez toujours pour vous approprier les choses des gens. Fabriquez pour vous. Fabriquez pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La petite là, ils vont dire qu'il y avait l'influenceuse, la blogueuse là, comment elle s'appelle? Sally. Sally est moitié algérienne, moitié camerounaise. Vous entendez les Algériens s'accrocher sur elle? Non. Non, vous êtes là, vous accrochez. Sally ne vous connaît pas. Sally est née en France. Quand elle parle du Cameroun, c'est quand Netflix l'envoie faire un documentaire. Elle vient pointer son argent. Elle montre la pauvreté chez vous. Comme elle est noire, ça passe mieux. Parce que c'est une blanche qui partait faire le documentaire. On allait dire que, donc on l'envoie, elle. Elle pointe ses dos. Elle vient filmer un peu le Cameroun là. Elle porte un peu, elle met un peu sa jolie peau sous le soleil là. Ça tape un peu avec le bol miengue. Les blancs sont contents. On donne son choco. Elle rentre. Fin. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous connaît pas. Elle est née de l'industrie française. Quand elle est venue parler vos choses, c'est quand elle a fait Bobda. Pourquoi? Parce que ça donnait les vues. Oui. Elle a parlé, elle est quittée. Elle connaît la suite. Non. Elle connaît ce qui se passe chez vous. C'est la seule qui est aux flammes. Et elle était là-bas pour interviewer les gens. Elle est invitée partout, par Rihanna. Tous les événements de Rihanna, Rihanna l'invite partout. Quand elle parle, elle ne parle pas avec votre drapeau. On ne vous connaît pas. C'est l'influenceuse française, Sally. Française. On ne vous connaît pas dedans. Ils ont une autre. Et on a aussi une autre là, Yanissa. Yanissa, c'est la même chose. Algérienne camerounaise. C'est elle de temps en temps qui essaie de dire qu'elle est camerounaise. Mais Yanissa est métisse. Elle est née ici. Elle ne connaît rien du Cameroun. Elle n'a jamais mis ses pieds là-bas. En tout cas, elle n'a jamais filmé. Peut-être elle est allée en cachette. Parce que tu peux aussi voyager, tu ne montes pas. En tout cas, elle ne nous a jamais fait une vidéo où elle dit que je suis au Cameroun. Elle ne vous gère pas. Elle travaille avec Rihanna. Elle travaille avec Kylie Jenner. Elle est invitée partout dans les événements. Parce qu'elle a percé aussi en tant que blogueuse, influenceuse, youtubeuse. D'accord? Voilà les deux qui sont dans le top 5 des influenceuses en France. Elles ont le sang camerounais, mais vous n'êtes rien dans leur succès. Rien du tout. On ne vous connaît pas dedans. Rien. On ne vous connaît pas. Fabriquez pour vous. Ça vous dépasse. Vous êtes trop allé à l'école, vous êtes trop intelligent, les Camerounais. Ils aiment tous se moquer des autres pays. Nous, on est allé à l'école, nous, on est diplômés, nous, on est ceci. Tout ça, vous savez quoi? Vous êtes diplômés, les autres ne sont pas diplômés, ils ont fait les changements dans leur pays. Ils savent que flamme, c'est quoi, comme tu dis? C'est pour qu'ils aillent fouiller. On est ici là pour apprendre. Ils vont m'insulter, mais ils ne vont jamais nier qu'ils apprennent chez moi. Ils ne vont jamais nier ça, qu'ils apprennent chez moi. Donc, ils vont seulement, on va seulement leur apprendre même avec la force. Ok? Fabriquez pour vous. Fabriquez pour vous. Ne me fabriquez pas, parce que moi, là, moi, je ne vous attends pas. Je suis en français, je vais m'insérer comme les autres, là.
dans l'industrie française. Je vais m'insérer dans l'industrie française, comme les autres. Et ma destination, c'est les States. Oui, parce que j'ai la chance de savoir parler anglais. Pourquoi il me limiter? Si Aya Nakamura savait parler anglais, c'est qu'elle a fini avec les États-Unis. C'est ce qui la bloque. C'est qu'elle ne sait pas parler anglais. Elle est perdue en anglais. Complètement perdue. Moi, j'ai ça. Et c'est fluide. Donc, ma destination, c'est là-bas parce que c'est l'industrie musicale numéro uno. Donc, comme vous, c'est au-dessus de vos forces là. Laissez-moi comme ça. Allez vous occuper de vos divas. OK? Occupez-vous de vos divas. Laissez-moi comme ça là, dans mon bracata. Laissez-moi être artiste Facebook, artiste TikTok. Laissez-moi faire les concerts dans ma chambrette. C'est mon niveau. Voilà. C'est mon niveau. Cardi B était une stripteaseuse qui faisait des lives sur Instagram où elle parlait de sa vie, de ses trucs. C'était une blogueuse. C'est dans le blog là qu'on est venu la chercher pour aller faire une télé-réalité. C'est de la télé-réalité qu'elle est devenue rappeuse. Elle n'a jamais cessé de faire des lives. Parce qu'elle en fait moins, peut-être. Mais quand elle fait des lives, elle casse la baraque. Elle clash toujours. Elle clash avec les internautes. Même pas qu'elle clash avec l'autre star. Elle clash avec les internautes. Ça n'a rien enlevé. Elle répond quand on l'attaque. Elle fait les posts sur Twitter. Elle fait les posts sur Instagram. J'ai cherché artiste camerounais là-bas aux flammes pendant 2 jours, rien à l'horizon.